6, on va continuer l'apprentissage et le travail des gammes, mais cette fois-ci en utilisant les arpèges. Premier exemple avec la gamme de Do majeur, où on va enchaîner les 7 arpèges de la gamme en utilisant la position 4 sans démancher. On commence par essayer de visualiser la fondamentale, la tierce et la quinte de chaque degré. On débute avec le premier degré, qui est un arpège de Do, puis Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol, La mineur et Si diminué. À partir de ces notes, on va pouvoir construire un exercice qu'on va jouer en croche avec le coude médiateur alterné. L'encadré en haut de la partition vous indique la formule d'arpège utilisée dans l'exercice. Thank you.